Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box qui a été un peu boxée par le facteur, par contre. Oui, légèrement. Il l'a légèrement enfourné dans la boîte aux lettres, j'ai eu du mal à le sortir. Et du coup, ça a abîmé un petit peu la boîte, bon, on espère que ça va pas trop abîmé. J'espère qu'à l'intérieur, ça va abîmer. Allez, c'est parti. C'est et parti voilà. Donc, on découvre. Le petit papier, normalement. Ouais. Avec plein de fleurs de sakura. Oh! Qui est plutôt joli. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a Tsunemi. Hanami Extra. Donc, c'est Hanami, c'est la fête avec les fleurs de partout, donc les cerisiers et compagnie. C'est joli. Et Extra, je crois que c'est en lien avec une des licences. Après, je vois à peu près ce qu'on a, mais il y en a plusieurs que je ne sais pas trop qui c'est. Genre les deux petits garçons, là, je sais pas. Moi, je sais qui c'est. D'accord, bah, je pioche en première. Ça compte pas. Hein. Bon, c'est le mois d'avril, on l'a pas dit, voilà. Mais c'est le mois d'avril. Hop, je prends ça. Ah, je prends ça. Oh, 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 elle est trop mignonne. Elle suit beaucoup avec des petites cerises, etc. Non. Ah, elle est super chouette. Alors, c'est un porte-clé, mais elle est excellente. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est un porte-clé. Ah oui. J'avais vu qu'il y avait Hatsune Miku. Du coup, juste en bas ici, bah même je l'ai dit. Mais... Alors, je pensais pas qu'il y aurait... Les détails, la cravate, le petit micro et tout, mais elle est géniale. Ouais, puis c'est... Elle est super. C'est relativement doux, hein. Elle est douce. La peau est pas très douce, mais les cheveux sont très très doux. Elle veut aller directement dans le décor. On mettra ça tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'aurai le temps. Mais c'est pas mal pour une petite peluche comme ça, porte-clé. Ouais, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est cool. Oula, il y a des gros items, il y en a des plus petits. On va prendre un petit. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est Jojo. Un autre porte-clé. Jojo's Bizarre Aventure. Ouais, c'est Josuke. Alors, je connais juste de nom. Il paraît que c'est oufissime. J'ai jamais regardé. Tu connais Jojo? Je connais, oui. J'ai vu ça plusieurs fois. Mais alors, ce personnage-là. Ah, c'est pour nettoyer son écran. Il y a un petit truc derrière et je pense que c'est pour nettoyer. Ah oui, un microfibre un petit peu. On avait eu ça dans une des box, je sais plus si c'était la Wood ou quelque chose, c'était avec Mario et aussi pareil, ça servait à nettoyer. C'était notre toute première Neon Box. Ah, c'était une Neon Box. Bah voilà, moi c'était la Neon Box et c'était pas mal là. Plus il est pas moche. Bon, oui, bon, il est fun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À toi. Ouais, prends sur le côté. Oh là! Oh là là! Oh, c'est du miam! C'est du miam! À la cerise sakura, je pense, mais je sais pas ce que c'est. L'année dernière, il y avait eu des petites brioches avec une espèce de confiture de sakura, je crois. Enfin, des petites brioches. Parce que du coup, j'arrive pas à choper. Ah oui, j'ai des ongles, pas toi. Tadam! Alors, comment ça s'ouvre comme ça? Oh, ça s'ouvre bien en plus. Une petite bidulerie ainsi. Alors, on a. Des petits sachets. Ce serait pas du thé? Non, c'est des petits biscuits. On voit en fait sur le côté qu'il y a. On a des petits biscuits aussi. Mais version japonais et saveur sakura. C'est écrit sweets dessus, donc on sait que c'est sweets, on s'en doute. La petite... Oh, ça dirait en fait juste du chocolat blanc. Ouais, ils en font régulièrement. Ça sent bon en plus. C'est étrange. Ouais, il n'y a pas de cagnage. C'est bon. Il y a des petites choses qui croustillent dedans. C'est parfumé. Fleur de cerisier, j'imagine. Bah, c'est très bon. C'est très doux, c'est sucré. C'est super bon. On dirait... C'est un peu lacté quand même. Je pense que ouais, c'est le chocolat blanc qui fait ça. Ouais, une crème au lait. Ça rappelle un petit peu un petit sablé breton, mais comme s'il avait été humecté ou enfin en termes de texture. Très imbibé, très très imbibé. Parce qu'en fait, c'est vraiment juste une espèce de chocolat blanc avec des tout petits morceaux de crunchy, mais tout petit, petit. Donc c'est pas mal. Ah, je trouve ça très bon. Là, vraiment, je suis ravie. Avec un thé, ça va être délicieux. Je pense, ouais. Mais à chaque fois, on a des petites découvertes comme ça. Culinaire, ouais. C'est très bien. Super bien. À toi. Alors, il y a le gros bidule, il y a un moyen bidule. Qu'est-ce que c'est? Un bento. C'est un bento. Oh! De Kiki. Ah, Kiki. Mais on a toute une collection, mais ça n'arrête pas. Il y a quelque chose derrière ce chat. Et bien, parce qu'en plus, l'autre jour, alors dans la Yume. Non. Dans la Sakawai Box, je sais plus. C'était Yume Twist sur Sakawai Box. J'ai eu un set pour mettre sur l'herbe Kiki. Et ça ressemble un petit peu au bento indien où eux, ils sont normalement en métal. Et tu sais, ils mettent le chaud, le froid, inversement. Ça ressemble à ça. Du coup, j'avais eu le set pour mettre sur l'herbe. Avec la Neon Box, j'avais eu le sac isotherme. Avec la Yume Twist, j'avais eu une tasse. Avec la Yume Twist aussi, j'avais eu des petits bento Kiki. Là, j'en ai un nouveau bento Kiki. Mais avec Gigi. Avec différents étages. C'est bizarre. Oh, il y a même une petite fourchette. Oh, c'est trop bien fait. Là, il y a le côté gratounet. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu me l'as dit là. Ah, c'est tout. Pareil, ouais, pareil.
C'est rigolo. C'est super chouette ce petit bento avec Gigi du coup de Kiki. Kiki's Delivery Service, moi j'ai oublié de mettre la petite cuillère. C'est très très bien. Le fait qu'il y ait les petits couverts et tout. Je sais pas si c'est micro-ondable, faudrait regarder sur le petit blabla. Mais on verra ça, mais en tout cas c'est une bonne idée. J'aime beaucoup, je suis fan. Sachant en fait des bento tout petits et puis d'une forme un petit peu ovale. Là, ça reprend vraiment les bento indiens. Alors peut-être c'est un terme, mais ça me rappelle ça en fait. En tout cas, c'est une contenance qui est relativement correcte. Après, il faut rajouter un dessert, mais pour une personne qui mange un peu sur le pouce, ça fait quand même super bien. Légèrement compartimenté, on peut mettre le riz en haut ou en bas, et puis avec ses le curry en dessous. Ouais, non, franchement, et puis c'est chouette, c'est sympa comme tout, c'est simple, mais c'est super sympa. Allez, à le toi. Suivant. J'ai pioché ça. Non, c'est moi qui ai pioché. Ok, cool. Je prends ça alors. Qu'est-ce que c'est? Un petit bol, j'imagine. Oh oui, un petit bol avec des sakuras. Ce serait chouette, on en a vu un l'année dernière déjà. Alors, ça a l'air d'être un petit bol, bien emballé en plus. Oui. Oula, oui, c'est rose. Oh, trop beau. Il est très beau. La petite coupelle, elle est chouette comme tout. On voit à peu près les petites branches des cerisiers. Fleurs et tout. Ah ouais. On est vraiment dans le thème, mais totalement, franchement. Ah là, mais il va super bien en plus avec le précédent bol qu'on avait eu. Ah, il est beau. Vraiment, là, c'est toute la thématique. Je crois que pour le moment, c'est une des meilleures box Neon Box qu'on ait pu ouvrir. Ah, ouais, tu pars sur la grosse. Ouais, je sais, mais il y a rien d'autre. Ah, bah vas-y, prends-la. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je connais pas. Ah, c'est Fate Australia. Fate Extra, pardon. Fate Extra Lost Anchor. Ok. Ok. De chez Taito. Et ben, on va la monter. Et voilà, une fois fini. Tatam. Elle est plutôt pas mal. Bon, on est un peu surpris du fait que la robe est ouverte au niveau de son popotin. Quel est l'intérêt? Après, c'est le Kera Design, je pense, dans la série. Ça doit peut-être avoir une utilité. Mais sinon, elle est assez sympa. En plus, avec Benjamin, je disais qu'on n'avait pas de figurine dans les tons rouges. Ouais, ça, enfin, comme ça, en fait, ça fait une petite différence de couleur. Ce que je trouve intéressant, c'est le côté un petit peu plastique transparent. Je me demande ce que ça représente après en termes de tissu et de... Sur le personnage en manga, enfin en animé, en manga. Puis pour ceux qui jouent en fait à la Switch, il y a le jeu Xenoblade Chronicles 2. Et je trouve qu'elle a un design en fait de lame. En fait, ça, on dirait vraiment une lame de Xenoblade Chronicles, genre la lame de pirate. Même la fille, enfin je veux dire, le personnage. Ouais, c'est vrai, ça fait Xenoblade Chronicles, c'est pas mal. Ça peut être une lame dans Xenoblade. En tout cas, c'est une bonne figurine et elle est sympa. Après, à voir pour l'animé sur Netflix, tu dis? Je crois qu'il y a Fate Extrelia sur Netflix qui vient d'arriver ce mois-ci. On pourra regarder. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une bonne box. On a une belle figurine, bon, comme à chaque fois, pratiquement, j'ai envie de dire. Oui, maintenant, c'est vraiment la marque de fabrique qui a tout le temps des figurines. Par contre, j'ai juste envie de regarder si on pouvait avoir un aléatoire sur les figurines de JoJo's, voilà. Ah oui, la boîte à bento, on pouvait avoir Kiki, la petite sorcière, donc là avec Gigi, ou le petit Ponyo. Et du coup, c'est des biscuits de crunchy saveur Sakura. Une box sur le thème des Sakura ne sera pas complète sans un petit quelque chose pour se régaler les papilles. Bien voilà, de quoi faire avec ce paquet de chocolat saveur Sakura. Ah, c'était du chocolat. Leur texture est croustillante, un pur délice. D'accord. Et les peluches. Je pensais que c'était un petit biscuit. Les petites peluches à Tsuné Miku, il y a différents modèles. Nous, on a la plus simple, en fait, elle ne fait pas de grimace. Non. Il y en a une où elle sourit beaucoup, et il y en a une autre où elle fait un clin d'œil. En vrai, ça reste quand même très bien, je trouve. Il n'y a pas vraiment de grande différence, elle est très jolie. Ah ouais, la box, c'est un petit peu dans les tons thème, la thématique du rouge-rose, on va dire, mais c'est pas mal, franchement, c'est cool. Ouais, moi, je trouve qu'au niveau de la thématique, on les respecte, mais on sait. Il est sakura, ça tourne autour de ça, c'est pour ça qu'il y a du rouge et du rose. Mais vraiment, c'est chouette, c'est une bonne box, il y a l'esprit pique-nique sous les sakuras, enfin... Mais c'est vrai, c'est beau. Oui. La jolie vaisselle, enfin franchement, je trouve ça très chouette. Je m'attendais pas à tout ça. Le porte-clés, je suis un petit peu moins fan, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de JoJo's. Donc je pense qu'il y en a qui seraient là, oh, c'est trop bien. Puis en plus, c'est utile, enfin, on peut nettoyer son écran. L'écran avec. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut.